pour remettre cette victoire d'honneur, je vous demande d'accueillir Christophe Mahé. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Eh bien, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant qu'il faut remettre cette victoire d'honneur. Ça me touche particulièrement de remettre ce trophée ce soir. Johnny reste la référence de la chanson française. Un modèle pour beaucoup et une carrière dont nous rêvons tous. Donc imaginez à quel point je suis fier de pouvoir lui remettre cette victoire. D'autant, et ça sent que tu es ému d'ailleurs de la remettre cette victoire, d'autant que tu as signé une chanson sur ce dernier album, d'autant que tu vas soutenir, comme on dit, c'est-à-dire être en première partie de Johnny pour la tournée d'adieu devant son public et l'histoire d'amour entre le public et Johnny. C'est vrai que j'ai la chance de partager un moment de vie à ses côtés. Je vais partir sur la route à la rencontre de son public. Donc j'ai l'impression d'être un petit peu privilégié. Voilà. On va tous l'être privilégié ce soir. Je vous demande d'accueillir Johnny. Non. Je vous demande une véritable ovation pour Johnny. Et Johnny, il n'y en a qu'un, un vrai, l'unique, il est là, Johnny Hallyday. Ah Johnny, si tu savais tout le bien que tu nous fais. Hey Joe, on t'a gravé dans nos vies. Et si t'arrêtes noir, c'est noir, il n'y aura plus d'espoir. Johnny, écoute ton public qui chante « Que je t'aime ». Ton histoire d'amour avec tes fans, ça ne s'arrêtera jamais. Écoute, voilà Johnny, c'est une manière... Vous allez bien ? Johnny, cette victoire, c'est une manière à nous tous de te dire à quel point on t'aime et un grand, grand merci. Victoire d'honneur pour Johnny Hallyday. Et une tournée d'adieu alors que nous, on n'a pas envie que ça s'arrête. Hein. On n'a pas envie que ça s'arrête. On est là pour te dire que l'on t'aime, mais qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Nous, enfin bon, tu fais comme tu veux. Hein. Oh, elle va être longue, la tournée. Ah, ouais, une bonne nouvelle. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette victoire. Ça fait toujours plaisir d'avoir une victoire. J'aimerais dédier cette victoire à ma famille, à mon fils David qui est à la batterie avec moi ce soir. À Laura, ma fille qui tourne un film en ce moment, que j'embrasse très fort. À Jade, qui me regarde de loin ce soir, en ce moment. À ma toute dernière, à ma petite Joy, et à ma femme Laetitia, que j'aime profondément. Tu penses à ceux que tu aimes. Et puis surtout, cette victoire, j'aimerais la partager avec tous ces gens qui me suivent depuis mes débuts. C'est-à-dire mon public. J'offre cette victoire à mon public. Merci. Victoire d'honneur pour ses 24e victoires de la musique en direct du Zénith. Nous sommes dans une salle qu'il connaît bien avec Christophe Mahé, mais surtout le réalisateur de son dernier album que je vous demande d'applaudir, Philippe Huminski, qui est à la basse. Se trouve également Axel Bauer, l'un des meilleurs guitaristes que nous ayons la chance d'avoir. Et comme l'a dit Johnny à la batterie, David Hallyday. Quelqu'un te dit je t'aime.
peut-être, ça peut changer le monde. Ça peut changer le monde. Quelqu'un te dit je t'aime. Ça peut changer le monde. La route est encore longue. Ouais. Se construire dans la haine et de ne jamais rien de bon. Oui, les blessures nous emmènent sur le chemin du pardon. Ça peut changer le monde et Johnny vous l'a dit, une tournée peut être longue également, surtout une tournée d'adieu, il en a beaucoup d'adieu à faire. Il prolonge sa tournée à partir du mois de septembre également jusqu'à la fin de l'année. On peut encore applaudir Johnny pour cette victoire d'honneur remise par les 24e victoires de la musique.